Les préparatifs de la Saint-Sylvestre commencent bien avant Noël. On se retrouve pour ramasser des branches et passer un moment ensemble, répéter les chants et parfois en apprendre de nouveaux. Notre clique se retrouve toutes les deux semaines et à chaque fois, l'esprit de la Saint-Sylvestre s'immisce un peu plus en nous. Certains se réjouissent énormément de l'arrivée de Noël. Pour eux, c'est la plus belle des fêtes. Mais pour moi, la Saint-Sylvestre est plus importante que Noël. La tradition remonte à la nuit des temps. Nous essayons à chaque fois d'amener des choses qui soient belles et un peu différentes, mais sans aller trop loin, sans tomber dans le moderne. En fait, c'est toujours la même chose, juste avec de petites nouveautés. La Saint-Sylvestre se fête deux fois l'an, le 31 décembre et le 13 janvier, selon le calendrier julien. On ne sait pas vraiment d'où vient cette coutume. J'ai longtemps cru que les masques vilains chassaient les mauvais esprits, alors que les beaux attiraient les bons esprits, mais ce n'est pas vrai. Ce qui compte, c'est qu'on ait du plaisir. Notre clique a commencé un jour à faire des masques de démons grimaçants qui faisaient un peu peur. J'ai toujours dit que j'étais beau, donc je peux me permettre de faire le vilain.
Dès l'automne, surtout quand tombe la première neige, nous sentons bien que la Saint-Sylvestre approche. Pour nous qui sortons avec des déguisements de beaux ou de beaux vilains, comme on dit, il faut compter plus d'une année de préparation. À la fin, le temps commence à presser. En été, on se dit qu'on y arrivera facilement et puis, soudain, c'est la course. C'est comme ça sans doute pour toutes les autres cliques aussi. On n'a jamais compté les heures, mais on passe ici un sacré bout de temps. Notre but, c'est le 31 décembre. La manière d'y arriver est différente pour chacun. Certains viennent ici la journée et d'autres le soir. Et il y a aussi les week-ends, quand on a le temps. Ça fait beaucoup de temps loin de la famille. Que disent vos femmes ? Elles partagent aussi cet amour de la tradition. Et en fait, elles sont fières que les hommes la cultivent. C'est comme ça qu'il faut le voir. Depuis que je suis à la retraite, je ne sculpte plus de figurines pour les cliques, mais je fais des cloises en miniature. Il y en a des beaux vilains et des vilains. J'avais 5-6 ans quand j'ai commencé, donc je dirais que j'étais cloise pendant 42 ans. La tradition, j'en suis sûr, ne s'éteindra jamais. C'est une joie immense de pouvoir contribuer à cette fête,
en tant que forgeron. Quand j'entends sonner les cloches, j'en ai des frissons dans le dos. Durant toute l'année, je ressens la fièvre des Cloyse, mais elle s'intensifie à l'approche de la Saint-Sylvestre. Ja, und wenn ihr es nicht hören, dann nützt es nicht. Wieso? Ja, es bringt einfach nichts. Der Luft geht dermaßen. Und Staub und quer weg, der geht nicht kaputt. Schade, aber. Ce jour-là, tu peux être fier de te rendre de maison en maison, de ferme en ferme, pour apporter de la joie aux paysans et leur souhaiter la bonne année. Il y a un truc magique là-dedans. Les chants ont quelque chose d'envoûtant. On arrive et il n'y a pas un chat aux alentours et le paysan et sa femme sortent et nous écoutent. Certains sont parfois si émus qu'ils en ont la larme à l'œil. Et pour toi? Hein, ça m'arrive aussi. Parfois, devant certaines fermes, sous mon masque, je verse une larme. Oh,
Je dois reconnaître qu'au début, j'étais un Kleuz sauvage. Et ça effrayait les gens. Les enfants étaient morts de trouille. Quand on arrivait devant une ferme, ils couraient se réfugier chez eux. Ils montaient les escaliers, puis guignaient par la plus petite fenêtre tout en haut de la ferme. On porte de grosses charges, on fait de longs déplacements. Et quand on arrive devant une maison et qu'on commence à chanter, on est souvent à bout de souffle. Au début, on a mal au cou et aux épaules, mais on s'y habitue. Avec la joie et les belles émotions, on oublie tout. C'est un descriptif. Ça vous prend aux tripes? Une belle tradition. Au début, ça me faisait mal de plus y aller. Mais maintenant, je me réjouis quand ils sont là. Un beau jour, mes amis m'ont dit, moi, ça me suffit, j'arrête.
Pour moi aussi, ça devenait dur. Après le dernier restaurant, depuis la vallée d'Ournech, j'arrivais 5-10 minutes après les premiers du groupe. Mais j'ai plein de beaux souvenirs. Quand je pense que ma mère est morte un 13 janvier dans la maison familiale, là-haut, alors que le dernier groupe de Kleuz chantait son dernier Zoyerli. Oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant quand on peut vivre une chose pareille, et pour maman, c'était bien. Le matin déjà, quand ma sœur est entrée dans sa chambre pour faire sa toilette, maman lui a dit « Annelie, j'entends des cloches et des grelots. » Et ma sœur lui a répondu « Oui, tu sais, maman, c'est aujourd'hui la date de la vieille Saint-Sylvestre, le 13 janvier. » Yo, la la.